Ross, tu fais quoi? Ah, laisse-moi tranquille, je suis en train de préparer ma potion de téléportation. Mais pourquoi t'es dans le noir comme ça? Attends, parce que c'est un rituel. Mais qu'est-ce que tu prépares? T'es encore en train de faire des bêtises? J'espère que c'est pas la sorcière qui t'a donné cette idée-là. Non, non. C'est quoi ça? Allez, mais t'es en train de faire une potion? Mais oui. À 3h du matin, comme ça. Non, mais tu dois dormir, c'est bientôt la rentrée. Tu dois te recaler dans le rythme. C'est une potion pour se téléporter où, ça? Attends, mais elle fait de la fumée. C'est pour se téléporter où? Non mais dis-le-moi, si tu disparais, c'est pour te téléporter où? Je sais pas, dans les toilettes là pour l'instant, allez. Une potion pour te téléporter dans les toilettes? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as que ça à faire la nuit? Léo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Va Lily Rose. Je me sens pas bien, je sens que je vais me téléporter. Lily Rose. Lily Rose. Qu'est-ce que tu... Lily Rose. T'es où? Lily Rose. Oh non, c'est cette potion. Oh, ça a marché. Non mais attends, mais y'a quoi dedans? C'est quoi ce truc bleu? Non mais c'est pas possible les amis. Lily Rose, Lily, t'es où? Oh non, non, c'est pas possible. Attends, elle m'a dit qu'elle s'est téléportée dans les toilettes. C'est une potion pour se téléporter dans les toilettes. Ça tombe, elle est vraiment là-bas. Lily Rose, elle a marché la potion? Oui. Lily, t'es où? Je suis là. Oh non, me dis pas que t'es dans les toilettes. Lily Rose, oh, viens ici. Mais attends, mais... Qu'est-ce que tu fais là? Comment c'est possible? Mais de quoi? Mais c'est toi, c'est à toi de me dire comment c'est possible. T'as réellement... Attends, viens. T'as réellement fait... T'as réussi à faire une potion de téléportation. Non, mais j'en viens pas. Attends, c'est quoi ce truc? Attends, mais c'est pas possible. Attends. Mais si ça marche, on peut l'utiliser pour faire plein d'autres trucs. Mais attends, appelle Peppa Pink. Va appeler Peppa Pink. Oh, c'est un truc de fou. Ça tombe, on peut se téléporter n'importe où. Peppa Pink, viens. Ouais, qu'est-ce que... Viens, dépêche-toi. Lily Rose, elle a trouvé une potion de téléportation. N'importe quoi, une potion dans les toilettes. Là, elle a fabriqué un truc, regarde, à base de cette potion bleue là comme ça. Téléportée dans les toilettes. Elle a pris cette potion bleue. Ça c'est quoi? C'est de l'eau. C'est de l'eau chaude. De l'eau chaude, on dirait. Et en mélangeant tout ça, elle a dit je me téléporte dans les toilettes, je l'ai retrouvé dans les toilettes. C'est tout chaud. Bon, vas-y. Faire un truc. On peut pas, au lieu d'aller dans les toilettes, on peut aller dans un endroit un peu mieux, je sais pas, dans un parc d'attractions. Dans un. Ouais, par exemple, au parc Astérix, tu vois. Ouais, tu peux, si tu veux. La dernière fois, tu voulais y aller, bah on a qu'à y aller tous ensemble. Enfin, ah, non, d'abord, toi, tu y vas. Si ça va marcher, de toute façon. Vas-y, fais un truc, il faut changer quoi là? Rien du tout, faut juste rajouter un petit peu d'eau chaude. Bon, parce que c'est un peu plus loin. Bon, je te laisse partir en première. Okay. Parce que. Oui, faut penser. C'est vrai que le parc Astérix, c'est un peu loin de chez nous. Mais bon, et ça tombe, ça marche pour tous les parcs d'attractions et tout. Même pour aller dans un autre pays. Okay, bon, vas-y. Vas-y. Allez, bois le truc. Par contre, là, il faut se concentrer, il faut fermer la lumière là. Faut éteindre la lumière? Ok. Vas-y. Je te laisse te concentrer. C'est encore un prank? Non, je pense que c'est pas un prank, ça a vraiment marché. Comment ça? Ça va? Ça va, Lily Rose? Lily Rose, ça va? Ça va? Il n'est plus là! Lily Rose! Non! Non, j'y crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu, elle s'est téléportée devant nos yeux. Elle était là il y a 30 secondes. Oh là, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on... Mais ça tombe, elle est vraiment au parc Astérix. C'est un truc de fou. Oh là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça tombe, attends, vas-y, moi je vais en boire une gorgée aussi. Mais non, mais j'ai envie de... Bah attends, tu la bois juste après. Wow. Ah, c'est pas bon, par contre, ça a le goût de... Oh là, tu me fais peur. D'escargot un peu. Ah, c'est dégoûtant, vas-y, bois. Oh, c'est bizarre ça, attends. Oh. On est où? Attends, mais on n'est pas du tout au parc Astérix là. Ah non, et regarde. On est dans un truc en travaux. Attends, viens. Où est-ce qu'on est? Regarde, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends. Ah, mais non, c'est en travaux là, on est... Ah, mais elle nous a menti, elle nous a amené je sais pas où. Bon, écoutez les amis, j'espère que le sort... Ah mais si, attends. Regarde, il y a du monde. Ah mais oui, il y a du monde. Je vois des manèges et tout. Bah je crois bien qu'on est au parc Astérix. Ah bah oui, regarde. Oh mais je suis bête. Regardez les amis, il y a un panneau. On est vraiment dans le parc d'attractions. C'est un truc de fou. Là c'est en travaux parce que ça va être un nouveau manège. Ah ouais, bah là il n'y a pas de doute. Regardez, on voit plein de manèges. Là c'est un manège avec de l'eau et tout, c'est des sortes de bûches. Oh mais ça a marché, c'est trop bien. Oh mais imagine, si elle devient forte comme ça, si à chaque fois qu'on prend une potion, on peut se déplacer où on veut, ça va être un truc de fou. Ouais mais faut pas faire n'importe quoi aussi, c'est bon. Ouais c'est sûr, faut pas n'importe quoi. Faut pas faire n'importe quoi, mais ça veut dire que si on demande à la potion d'aller à New York, si on demande à la potion d'aller, j'en sais rien moi, ouais, à New York.
New York, ou à Disneyland, ou dans d'autres pays, ou même pour partir en vacances, c'est trop pratique. Bon, par contre, maintenant, il faut la retrouver, hein, parce que je sais pas si elle est arrivée au bon endroit. Bon, écoutez, les amis, on va peut-être en profiter pour faire 2-3 manèges, là, vu qu'on est là. Oh, c'est un truc de fou. Oh, Lily Rose, elle a eu une super idée. Je sais pas qui lui a donné la recette, mais je la veux bien, hein, parce que c'est incroyable. Ah ouais, regardez-moi ça. Et c'est un truc de fou parce que quand on a bu la potion, il faisait nuit. Et là, on arrive au parc Astérix la journée. C'est là, on s'est téléporté. Là, on est. Je sais même pas comment c'est possible. Et regardez, c'est ouvert. Il y a vraiment du monde et tout. On est vraiment dans le parc. Oh, c'est un truc de fou. Bon, écoutez, on va essayer de la retrouver. On va la retrouver. Et je pense pas que le téléphone ça marche. Hein. Quand c'est comme ça, là, quand on se téléporte, je pense pas que ça marche. Bon, on va essayer de retrouver Lily Rose. Bon, bah, comme Peppa Pink a peur, il a peur de tout. Il a pas envie de faire des grands 8. Regardez ce qu'il va faire. Le carrousel. Ça va trop me faire peur, ça. Ouais, ça va trop te faire peur. Il a oublié que la priorité c'était de trouver Lily Rose. Donc, avant de trouver Lily Rose, on doit se mettre dans le carrousel. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux Non, moi je veux... Ah, dans ça. Parce qu'un cheval, tu vas avoir peur. Après, on se concentre, on trouve Lily Rose, par contre. Parce que moi, j'ai envie de faire des grands 8 et tout. J'ai envie de faire des vraies attractions. Ah là, il va pas bien du tout. Hein. Mais où tu m'as amené? Ça va trop vite. Bah, c'est bon, oui, un petit peu. Là, il a envie de vomir, le pauvre. Regardez-moi ça. Ça va trop vite pour lui. Alors, ça va trop vite pour lui, alors que... Regardez la vitesse, hein. Là, franchement, heureusement que je t'ai pas emmené dans un grand 8. Hein. Demande de l'arrêter, s'il te plaît. Oh non, non, bah, on va pas demander de l'arrêter. Tous les gens qui ont fait la queue et tous les pauvres, regarde. Non, mais c'est pas possible. T'es vrai, tu deviens vraiment vieux. Hein. J'en peux plus. Heureusement que j'ai pas mangé avant parce que. Oh là là. Là, on a tout fouillé. Hein. On a fouillé là. C'est incroyable. Attends, hein. On est où ici? Ça va déjà faire un moment qu'on est dans le parc et on ne retrouve toujours pas Lily Rose. Et en plus de ça, je peux pas faire des manèges à cause de lui parce que dans un petit carrousel, dans un petit manège comme ça, il est en train de. Il a mal au ventre. Mais bon, allez, hop. Peut-être qu'on devrait aller fouiller la zone un peu égyptienne. C'est le seul truc qu'on n'a pas fait avec Osiris et tout. Bon, les amis, c'est notre dernière chance de retrouver Lily Rose. J'espère qu'on va faire ça et qu'on va croiser des abonnés qui ont vu Lily Rose, etc. Parce que là, on croise pas mal d'abonnés, pas mal de gens qui regardent nos vidéos. Donc, s'ils reconnaissent Lily Rose, ils vont nous le dire. Moi, j'y crois en tout cas. Bon, allez, on y va. Ah, on a eu un indice. On a croisé un abonné qui a vu Lily Rose. Mais tu fais quoi? Lui, il veut trop faire l'attraction, lui. Depuis tout à l'heure, il veut faire les bateaux pirates et tout. Regardez, il veut faire ça. Il veut faire ça comme ça. Lui, il passe sa journée à vouloir faire les attractions. Moi, je passe ma journée à chercher Lily Rose parce que je me dis, ça tombe. On s'est pas téléporté le même jour. On s'est pas téléporté dans le même parc Astérix. Enfin, bref, regardez. Ouh, ouais, là, je vais me prendre de l'eau sur la caméra. Donc là, on a croisé un abonné qui a vu Lily Rose. Il nous a dit, ah, mais vous êtes pas avec Lily Rose et tout. Bon, on lui dit, bah si, on la cherche. Et il a vu Lily Rose. Donc normalement, elle est là. Elle est dans le parc. Elle est dans ce coin-là. Et... mais elle est... J'ai failli pas te voir. Oh non, pas vous. Mais comment ça, pas vous? Mais je voulais pas passer la journée avec vous. Mais on a bu aussi la potion. Sérieux? Bah oui, c'est pour ça qu'on est là. Mais oui, c'est vrai, j'avais pas réfléchi à ça. Mais oui, et t'as bu la potion et tu nous as dit je serai au parc Astérix. Mais du coup, on vient avec toi, c'est trop bien. Ouais, mais moi je voulais passer la journée toute seule. Hein. Mais t'as déjà fait des attractions? Non, ouais. Elle voulait passer la journée toute seule, mais maintenant elle sera avec nous. Allez, viens. Bon, allez. Bon, les amis, je suis trop content. On l'a retrouvée, ouais, on va essayer de faire des attractions quand même. Et tu penses que ça dure combien de temps l'effet de la potion? Je sais pas, peut-être 24 heures. Ah, ça veut dire qu'à tout moment on peut disparaître là? Bah ouais, mais on l'a vu il y a pas très longtemps. Ça tombe, on peut disparaître et retourner chez nous à tout moment parce qu'on sait pas combien de temps la potion fera effet. En tout cas, merci d'avoir inventé ça. Ouais, bah je sais pas qui t'a donné la recette, mais bon. Bon, allez, on va faire les petits bateaux. On va faire les petits bateaux pour Peppa Pink. Allez. Regardez-moi ça. Les attractions pour bébé. Mais bon, comme ça, un gros bébé. Ouais, mais moi, j'ai mal au ventre quand je fais des grosses attractions. Là. Bon, allez, les amis, on va profiter parce qu'on peut disparaître à tout moment. Allez, c'est parti. On va pouvoir enfin faire une attraction ensemble. Bon, Peppa Pink ne va pas venir. Pas parce que... Non, bah, je me sens...
tu l'as pas vu dans le carrousel, mais il a fait un malaise presque. Ouais. Donc regardez ce qu'on va faire. Ça s'appelle comment? La trace du Oura. La trace du Oura. Donc bon, évidemment, je vais pas pouvoir prendre la caméra parce que sinon elle va s'envoler et je pourrai plus vous parler. Mais bon, on va profiter avant de disparaître parce que Lily Rose m'a dit la potion, c'est possible qu'elle dure une heure ou deux heures. Enfin bref, elle sait pas vraiment. Mais elle dure 24 heures. Du coup, je vais essayer de filmer avec mon téléphone à l'intérieur. Vous allez voir ma réaction quand on va. Oh, ça va vite, hein. T'auras pas trop peur, non, tu penses? Non, non, ça va. Bon, allez, on se retrouve tout de suite. Non, mais toi, tu viens pas. Toi, tu gardes les sacs. Tu gardes les sacs. Allez. Faudrait pas que tu fasses un autre malaise. Allez, vas-y, c'est parti. Go. Elle en a pas eu assez avec son truc, là où j'ai crié comme je sais pas quoi. Là, elle veut faire goût du Rix. Regardez-moi ça. Non, mais normalement ça va. Regardez-moi ça, ce qu'on c'est doit faire. Par apparemment, ça fait mal au cou, mais bon. Mais on verra, bon. On verra. Nous, on n'a pas peur, on n'a pas peur. On va le faire, on va le faire. Mais là, je vais pas filmer parce que sinon mon téléphone il va voler dans les champs. On est en train de partir. Ouais, c'est bon, la journée est finie. Voilà, on a même pas de lumière sur la caméra, tout ça. On n'avait pas prévu que ça marche jusqu'aussi tard. C'est une cata. Ouais. Et les amis, le gros problème là, c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas de voiture. Ouais, on sait pas comment faire pour entrer, surtout que c'est loin de chez nous. En fait, nous on habite à Lille, le parc est quasiment à Paris, donc c'est à 2 heures de route. Sauf que le souci, c'est que nous on s'est téléporté ici avec une potion. On pensait pas que la potion elle aurait fait effet toute la journée. On peut pas se re-téléporter. Bon, attends. Ça va pas tarder. Oh tu commences pas à te sentir bizarre là? Ah ouais, c'est vrai, j'ai mal. Attends, moi j'ai des. Attends, faut que je m'assoie. Attends. Attends, mais ça tombe, c'est la potion qui est en train. Ça tombe, c'est la potion qui est en train de faire effet. Attends, ça tombe. Ça tombe. Attends, attends, faut que je m'assoie. C'est comme si j'étais. Ça tombe, on va réapparaître chez nous. Attends. Oh, on est réapparu chez nous. Je viens de retrouver ma caméra. Elle était. Elle est arrivée dans une autre pièce. Et on a toujours pas Lily Rose. Lily Rose, t'es là? Lily Rose, ah. Ah, c'est bon. Oui. Bon, on est bien rentré du parc. Bon, finalement, on a bien profité de notre journée. C'était un truc de fou. La potion est encore là, d'ailleurs. Regardez, elle est encore là. Il en reste. On pourra aller faire d'autres parcs. Attends, moi, je veux aller. Non, c'est bon. On repart pas dans un endroit maintenant. Bon, les amis, vous avez vu, sa potion a marché. On espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et surtout, allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. Ça nous ferait extrêmement plaisir. À la prochaine. Téléportez-vous bien. Ciao, bye bye. Ciao.